tel un puissant logiciel de déblocage qui s'appelle ALAP Tech Tools, le version 1.0. Donc, ce logiciel est personnalisé pour les déblocages de téléphones avancés. Il fait des déblocages sur les Samsung, donc beaucoup marques, beaucoup des marques de Samsung. Donc, voici le logiciel ALAP Tech. Donc, ça, les gars des ALAP Tech qui ont créé ce logiciel. Ils ont aussi un site que tu peux aller acheter la licence pour télécharger les firmware. Ils ont aussi un serveur, comme vous voyez là-bas. Et on a la partie Samsung. Vous allez travailler en ADB mode. Vous allez faire le reboot et les FRP bypass. Donc beaucoup de choses avec cette logiciel. C'est un logiciel très puissant. Si exemple on prend le mode normal ici, j'ai un téléphone Samsung ici qui a un mot de passe. Je vais faire le reboot download mode. Je vais faire le reboot download mode. Débrancher le câble USB. Voilà. Je vais faire le reboot download mode avec cette Samsung sur la partie. Je vais faire le reboot. Je vais cocher ici pour faire le reboot. Donc je coche ici pour faire le reboot download mode avec cette téléphone. Donc quand j'appuie ici, je vais brancher maintenant mon câble USB. Ça c'est en mode normal, c'est pas en ADB mode. Je vais brancher mon câble USB à la machine. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification. Donc j'ai branché le téléphone, j'ai branché le téléphone et je vais appuyer sur Star. J'appuie sur Star. Je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Il écrit Welcome to Bypass. Voilà, il a détecté le port. Et il a dit Welcome to Bypass Test. On vous voit. Echo to Alert Test. Voilà, le téléphone est en download mode. C'est pour vous montrer que le logiciel marche à merveille. C'est un logiciel très puissant qui travaille en ADB mode. Et ici, j'ai la possibilité maintenant de faire le Factory Reset. Donc, avec cette logiciel, faites le Factory Reset avec vos Samsung sans problème. Donc, c'est un puissant logiciel. Si on va sur la partie repair ici, si on va sur la partie repair. Donc la partie repère ici, vous allez réparer le SN, vous allez, ça c'est les opérations pour si votre téléphone est roté, comme Samsung il est roté, toujours en ADB mode, toujours en ADB mode. Vous avez la possibilité de changer l'email, de réparer l'email de votre téléphone Samsung à processeur Spectrum et à processeur Isinox et à processeur Qualcomm. Donc vous avez la possibilité aussi de faire le repair network. Bon, il va apparaître le réseau et on a le Hello Screen Lock ici. Et dans cette partie, on a la possibilité de patcher le système. On a la possibilité de patcher le système. Si on vient sur Network ici, Network. Donc sur Network ici, vous avez la possibilité de faire entrer le modem file sur votre téléphone Samsung. Ici, on a Mac. Donc sur la partie Huawei, on peut faire le relock bootloader, le FRP en fast boot mode. Donc ça c'est le fast boot mode, ça c'est le mode normal and ADB mode. Oh, et on a la partie aussi test point et on a le reset FRP. Donc ça le c'est qui occupe beaucoup de téléphones. Donc si on nous a mis ici, vous avez aussi la possibilité de flasher les routes, donc les fils routes pour les téléphones Huawei. Donc, Android 8, Android 9 ou 10, si vous avez la possibilité de faire avec ALAP Tech. Et sur la partie Android ici, et sur la partie Android, on a le ADB mode, Fast Boot mode et le TR2R mode. Donc, c'est le logiciel, vous pouvez travailler avec ça avec beaucoup de téléphones Android. On a aussi la partie Qualcomm, on a aussi la partie MediaTek, on a aussi la partie Xiaomi et on a aussi la partie Xiaomi. Xiaomi, si vous avez travaillé avec le Redmi en fast boot mode et en ADB mode, donc c'est un peu ça. Et on a aussi la partie HTC. Dans la partie HTC, dans la partie HTC, si vous avez la possibilité de travailler en fast boot mode et aussi travailler en ADB mode. Et on a la partie Home Beta et la partie Manager Application. Donc cette logiciel est vraiment très puissant pour vous qui débutent dans la GSM. Donc,
N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On se